On n'aura pas le temps de. On fait comment? On sourit ou on reste très sérieux ou on fait comment? Eh hey, monsieur. Attention. C'est bon, hein? D'abord, Toroloba Mingite, le fait déjà de toi moni bisoboé, ça veut dire que l'événement est allé. Ça ne sert à rien Toroloba Mingi. Les alignes de conduite producteur à PC Ebisso, Abi ne parlait pas trop. Lui-même il est là pour donner les directives. Et présence d'un pseudo déjà le bigac. Mais on va attendre quand les amis vont venir bientôt. Le producteur va vous donner le programme. Et quand eux tous seront là, c'est là où on va parler, donner le programme, parler, donner tout ce qu'on va faire. Maintenant, ça ne sert à rien de trop parler. Quoi. Est-ce que Naïbité, l'organisation, qu'est-ce que vous promettez au Yoboko Sala pour vous revivre Batma Zong et la vraiment nostalgie na Wenge dans l'ensemble en fait? Non, la bonne musique seulement. La bonne musique auto sala on a un gars photo sala. De auto bersa mité ma batune ngo lobi yangon de photo sala. To ebelo mso sala te to ya te kama paté to ya te kami katete to ya ra robeta auto bano beta wala. Donc Batma yo ka ka banze mon abzoana to sala auto bano sa na podium cohésion na amitié na biso l'amour qu'on avait, c'est ça qu'on va montrer aujourd'hui. Le bonheur qu'on va donner aux gens. Voilà, merci beaucoup, président Jumin Piana. Tous à peine à présent, oui, Ranson, messieurs, dames. Donc, moi, je voulais savoir, sensation Nil, quelle est l'émotion après plusieurs années, il y a rencontre, il y a Romona Bandikoum Soussoubosa qui peut-être 22 ans, 20 ans, au Bomonana qui les sous-souté, il y a Romona Bango, on a rencontré à Paris, et bien évidemment, l'initiative, il y a Amandou Djabi, au Tobinga. Donc, voilà, Laurent Sembler. Et tu vois, parce que ça fait des années tout le monde en a raté. Tout le monde a sauvé ma salanga et vraiment la qui touché quoi. Zaki et l'ambiance moko. Il y a bien tout koutana, ça fait 25 ans, 15 ans, tout le monde a souci moko. Et puis banana biso ba solo la ka, bas en bon terme, biso apparence te koutan. Donc Zalaki vraiment Zaki fête, grâce à Mabou Djabir. Donc Zaki très bien quoi. Je jouais mon bien historique quoi, donc tout le temps de camarade ici comme voilà on a battu oui tout t'es quand on banane mika titi baspe makamu tout le monde a ce monde piano à l'air donc les anges à dire tous en ligne tous à la c'est à dire appel ou tout ça pour lancer y a bas congolais ben sous d'affaire donc pour revivre wingé 4 fans à la peau et lui solo y a acheté il faut tout faire au côté de bateau. Il faut qu'on t'attende qu'il y ait des poissons au côté de bateau. Tu veux les indiens ou dire. Ça dit, fanatisme, c'est pour vivre le sota là. Au moins, nous tous avons des mignons. Il y a solo, il y a son planétaire. Le tout est un son planétaire. Ça dit, son ou le tourouyan en haut, là, on va pas vivre en haut. Nous sommes comprendre que l'événement où il y a un moko. Vous allez 30 juin, ce mot de la délégation va y aller. Faites comme moi. Je viens de trouver une solution pour ma famille. Mon oncle à Brazzaville, ma mère à Kinshasa. Na tindeli bango mbongona. Top top sen. Netika koto tinda SMS. Mo tindi mbongo. En plus, transfert d'argent sans frais.
Faites comme moi, vous téléchargez l'application de la bino ya Cap Top Send. Quand on a téléphone na yo, au Tindia Siko Zali, il peut azui et Sika Azali. Bon numéro pour les Alina MPSA, RTL Money, to Orange Money pour la Kinshasa, MTN Money, to RTL Money pour la Brazzaville. Top Top Send, na beti, na send mongo, yamba mongo ata na minuit. Top Top Send, mongo longue la poche, et continue à chombo. Top Top Send, you send me, send you. Yal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 
ma professeur va couper sa cour. Beaucoup de mémo artistique. Nous ne pouvons pas faire ce cours. Ce que ma banque fait autant de ma prof pour faire sa cour. Pour comprendre l'eau qu'on a proposé à la tête. Nous avons tout le temps à dire que démontrer tout au lac Kisaka devant le public. Nous avons fan au banc au CPN à Bissot. Mais ça, finalement, j'espère que tu vas se et ça, nous avons pour les mingités. Mais ça, bon, mon corps, esprit d'équipe. Merci voilà, beaucoup, Namal. Je pense que cette délégation est conduite par moi-même et mon partenaire, M. Samba Bachili, opérateur économique, qui est là avec moi. Producteur qui a marqué l'histoire de l'Amérique à travers la musique de Michael Jackson, son producteur des États-Unis, qui est venu pour soutenir et produire le Wenge Musica 4x4, Jibem Piana Werason et les autres administrateurs qui sont pas là. Et puis Jibem Piana Werason qui sont avec nous, Mohombi qui est avec nous, grand artiste, et le grand Salifou Keita que vous voyez qui est venu, que je le serai vraiment dire un mot. Voilà. Alors, avant le 30 juin, la ministre vient de vous donner quel programme précis pour le Wenge Musica avant le grand concert. Il va se passer quoi? Écoutez, je préfère que ce soit une surprise de la part du ministre, parce que c'est à elle vraiment d'annoncer les surprises qui attendent le Wenge Musica. Moi, je ne peux qu'ici dire que le concert aura bel et bien lieu les 30 au Stade des Martyrs avec l'icône de la musique africaine, Salifou Keita, qui est venu soutenir ses frères pour la réconciliation. De rentrer dans la musique, d'accepter d'être un musicien. Et le Congo y est pour beaucoup de choses, avec en plus de la Guinée. La réconciliation. Alors, venir ici aujourd'hui pour la reconciliation des frères, c'est un devoir pour nous parce que je sais que cette union va créer une autre dynamique pour la musique au Congo et pour l'Afrique. Mais pour l'Afrique. Et c'est pourquoi je suis content d'être là aujourd'hui. Et j'ai vu à travers cette visite la ministre qui est vraiment debout pour aider les organisateurs de ce concert. On ne voit pas ça partout en Afrique. La musique a été délaissée en Afrique. Mais avec une ministre comme ça, on va y arriver. Et je la félicite. Alors, voilà. Merci beaucoup. Juste une petite question. Au producteur, oui. D'abord, oui. Pourquoi venir au Congo après avoir produit Michael Jackson et vous venez produire le Wenge? Est-ce que c'est la même chose ou c'est la même valeur? So how come you find yourself in DRC, and what do you feel about the fact that you have produced a huge artist and icons like Michael Jackson, and now it's Wenge Musica? Is it for you the same? Is it for you the same approach? Is it for you to have? Does it have the same importance? Well, I find myself here because it's been destined, it's been my dream to be here in Africa and move here, and also the magnitude of working with Michael Jackson have been a level for me because of my genre, which belongs to us in Africa, New Jack Swing. So working with Michael Jackson was huge, but working with the Wenge Musica is the next level. So I feel honored to be a part of this, to bridge the gap and bring the actual magnitude and impact to the Wenge Musica, along with my partners, Mahambi, my partner Patson, J-Soul, and all of the guys that work with the African artists here.
bridging that together, it's going to be an amazing mix. So I can't wait to bring that funk, everything, and bring in the music and mixing it, infusing it together. It's never been done, and this is something that is an honor for me to be a part of. So I'm honored. Thank you so much. Bon, Monsieur Teddy Riley a dit que pour lui, c'est son destin. Hein? C'est ça qui explique pourquoi sa présence ici en RDC. C'est comme ça que Dieu a voulu que les choses se passent. Et son parcours avec un artiste comme Michael Jackson, c'est un parcours extraordinaire. C'est un parcours historique. Et il veut souligner que beaucoup de ses influences et beaucoup de ses sonorités qu'on entend en Amérique, qu'on a entendu en Amérique, ont ses sources évidemment, ses sources naturelles en Afrique, à travers nos ancêtres. Donc, pour lui, c'est un grand honneur de pouvoir participer dans ce projet avec nous qui sommes ses partenaires dans le volet musical et créatif. Et il dit justement que travailler avec Wenge Musica, comparé à Michael Jackson, ou travailler aujourd'hui avec Wenge Musica, c'est l'avenir et c'est la prochaine étape. I want to thank Amadou and I want to thank Samba Bachelet for putting this together, because I thought I saw the vision, but the vision is even bigger and it's bigger than all of us. So to bring this together, this is going to be amazing, because it's never been done. So me to be a part of this and be a part of these guys, man, putting this all together, I can't wait. You know, sky's the limit. So I look forward to this. Donc, au nom de Teddy Riley et de son équipe, des remerciements distingués à Monsieur Amadou Diaby et Monsieur Samba Batili pour cette vision que lui a croyait qu'il avait compris tout au début quand on lui a expliqué, mais il comprend aujourd'hui que cette vision est encore plus grande et il est très très content et très honoré d'être en RDC avec nous. Merci beaucoup. Je vais demander juste au producteur. Voilà. Également. Donc les arrivées. Oui. Les arrivées. Ok. Ok. Are you translating for me? Okay. They want to know a little bit about your journey and your mission. Okay. Okay. All right. You got it. Who's asking questions? So, not presenting. Oui. Presenting a field point. Field coats. Voilà Monsieur Phil Coates, qui est un spécialiste dans le digital, dans la diffusion digitale, un grand ingénieur dans la technologie justement du streaming, qui est avec nous aujourd'hui, qui est venu des États-Unis, qui est en RDC pour justement assurer la diffusion planétaire du concert le 30 juin au stade. Donc, la retransmission en direct, jamais vu du stade de Camagnac. Là, dans ce contexte ici, donc c'est ça qu'il est venu assurer. Quelles sont vos questions pour nous? Voilà. Alors, ça sera payant ou ça sera gratuitement sur ça passera sur quelle plateforme, YouTube ou là sur plateforme? Bon, ça c'est des questions plutôt liées que le producteur pourra répondre. Mais donc, Monsieur Phil est justement là. What are the different channels? You think it's going to be doable? This the broadcasting? How do you feel about the? What are the channels that you're facing? Many challenges technically and logistically, getting crew and crew in and getting signal out. We as a production company, we are always overcoming challenges and transmitting from the most remote locations. So this shouldn't be a problem here. Il dit, Monsieur Phil dit qu'il y a effectivement beaucoup de défis, hein, le défi technologique. On sait tous qu'en RDC, ce n'est pas la chose la plus facile comme mission de retransmettre un événement de cette ampleur ici. Il faut un grand support technologique, mais il est sûr que ça tout ira. Grand événement qui se prépare. Bon, nous sommes de l'équipe Manza Music Group, qui est une entreprise, une maison de disques qui a été créée, maison de disques panafricaine, qui a été créée justement pour
pour soutenir ce genre de projet et produire ce genre de projet. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens, je suis congolais, Mazamo Lamboka. Pour moi, c'est très important que, de voir que ce genre d'événement et ce genre d'initiative, la réconciliation. Congolais a besoin au Mona Bomoko, la symbolique est énorme. Nous, jeunes congolais, nous avons besoin de voir cette réconciliation d'un groupe emblématique. Il y a eu des familles Bapanzana, Bambasa Bapanzana, des générations qui maintenant ont besoin de justement guérir à travers ce projet. Wenge Panzana. Wenge Panzana, Mesko 4x4 et Zongeli, Barou et Zongi. Merci. Ouais, c'est bon.